La police. Bonjour monsieur. Contrôle de police, monsieur, vous avez pas vu le feu rouge là? Non, j'ai pas vu. Vous avez vu ou pas? Non, mais je suis aveugle. Attends. Oh, comment ça, vous êtes aveugle et vous conduisez? Oui, attention, j'ai mon ami qui lui est voyant. Et lui il m'assiste, donc tout va bien. Bah alors, monsieur, vous, monsieur. Oui. Non, pas vous, lui. Monsieur. Oui. Non, pas vous, lui. Monsieur. Oui. Ah bon, c'est légal, on a un permis pour deux. Ok, bougez les mains. Ben, sortez-moi les papiers du véhicule tout de suite là. On va pas rigoler là. Ouais, c'est fou. Oh, oh. C'est quoi ça? C'est un truc, c'est un sandwich. Ça sent le poisson. C'est rien. Les papiers du véhicule là-haut. Monsieur. Les papiers du véhicule, monsieur. Non, mais non, il veut pas vous comprendre comme ça. Oui, mais comment on comprend qu'il communique? C'est un être humain articulé. Il lit sur les lèvres. Ok, d'accord. Respectez-le. Allez, monsieur. Les papiers du véhicule. Mon papy, il est ridicule. Qu'est-ce que vous dites? J'ai articulé. Oh non, c'est dégueulasse ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, là? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez pas ce que vous faites là? Ah non, je vois pas ce que je fais. Vous êtes en train de me faire ça? Mais pourquoi? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Attention monsieur, attention monsieur. On fait partie d'une association d'handicapés très très puissante. On a le bras très très long. Sauf Gégé qui est manchot. Et tous les autres très très longs. On va entendre parler de cette histoire. Sauf toi. Attention, excusez-vous. Comment je peux faire pour m'excuser? Bah avec le langage des signes, andouille. Oui, mais expliquez-moi, parce que moi je connais pas le langage des signes. Qu'est-ce que tu fais, arabe? Ouais, donc. Oui. Excusez. Excusez. Ça, ça veut dire. Moi. Voilà. Ah, excusez. Tu regardes bien? Oh, Bernardo, regarde. Excusez. Mon père! Qu'est-ce que mon père? Qu'est-ce que c'est exactement? Je pas dit. Non, j'ai pas dit. Ah, je sais. Vous avez mis la barre doucement, faut mettre la barre plus fort. Mettez la barre plus fort. D'accord. C'est ça, c'est, en fait, c'est voilà, c'est juste un petit truc. T'insultes son père de fils de pute, et sinon, excuse-moi. C'est une barre comme ça. Sketch de merde. Ok, le plus fort, hein. Alors, tu regardes. Arrête de chialer. Excusez. Moi. Ma mère. Non mais là je vais te pécho avec mes chers compatriotes. Salam alaikum. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis célibataire. J'en peux plus. J'ai grave la dalle. Mademoiselle, quel est votre prénom? Virginie. Je t'appellerai plus Germaine, ça te va mieux. Germaine, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de... Je sais pas, je me vois bien dans vous. Demain, je vous donne rendez-vous à l'Elysée, je vais bien vous recevoir. Au revoir. Moi, de toute façon, je peux pas avoir de maison parce que je voyage trop avec mes voyages d'affaires. Entre Tokyo, Londres, Paris. Et d'ailleurs, je suis obligé de résider dans des hôtels de luxe. Et d'ailleurs, actuellement, je suis au Ritz, à Montluçon. Hey! Non, mais attends, t'es au Ritz de Montluçon? Ouais. C'est mon hôtel!
Tu dors chez moi, tu me préviens même pas, je t'en ai mis bien. Non mais ça va, je suis déjà dans la suite présidentielle.